Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 16 donc du mode carrière sur eSports UFC. Petite information, je tourne cet épisode juste derrière l'épisode 15, comme ça j'en ai un d'avance pour le proposer comme milieu de semaine. Donc on se retrouvera dans le milieu de semaine. Et donc là, avant de commencer, j'ai envie de vous montrer mon général. Donc voilà, je suis chaud, je suis prêt pour le combat, pour le titre avec un sang de général, avec un sang de partout. Je pense que je suis prêt à remporter le titre là face à notre cher champion du monde poids lourd. On va avoir les entrées, les amis, en espérant ne pas être copyrighté par YouTube. Ça serait sympathique de leur part. On passe directement au combat, les gars. On est prêt au numéro 1, donc on affronte Bartley, donc qui est le champion du monde poids lourd. Et ce match est un match de tier. Ce qui veut dire que si on gagne ce match, on est pour la première fois champion du monde poids lourd du UFC. All right, kid, you're at the top of the food chain. We're gonna send over the details. You get the next title fight. Congratulations. Hey, man, we're almost there. We're so close, we can taste it. We're fighting for the title now. We're fighting the champ. Let's do everything perfectly. Let's not just beat this guy. Let's destroy this guy. I know you can do it. Let's go to work. Hey, Forrest Griffin here. Congratulations, you're fighting for the title. Now remember, leave it all in the cage. Otherwise, you're going to be leaving that belt in the cage with somebody else. When you're fighting for a title, it's a big deal. You know, there's a lot to gain, there's also a lot to lose. You can't just think about holding the belt. You gotta visualize it so strongly, it's like you've already touched it before. You can't become a world champion and hit the easy button and skip all these steps. You gotta put the time, the effort, the hard work in. That number one spot, having that belt, is what everybody's fighting for. I wanna go out there and show the world and show myself that I was that much better than this guy. It's important to believe more in yourself than the people around you believe in you. So you've got a bunch of hungry guys that are all trying to get to this one spot. The opportunity of fighting for that is kind of euphoric. Ok, on a l'autre coach qui nous a dit, le coach qui nous a trouvé dans le Ultimate Fighter, dans le tournoi, nous a dit que le mec il pensait déjà que j'étais déjà champion, que je pensais déjà au prochain prétendant. Entre le coach qui m'accueille, qui me suit jusqu'à la cage et qui me dit cette fois il faut que tu le démontes, hein, voilà, tu le démontes. Et je vous laisse toute la cinématique. Making his way to the octagon with just one goal in mind, and that is to become the new UFC heavyweight champion. This guy has thunderous kicking power, amongst the scariest kickers in the world of mixed martial arts, and his opponent has to be keenly aware of that danger. The professional enters the octagon, looking to become the new UFC champion. The Gorilla making his way to the octagon, looking to once again defend the title. This guy is taking shots to the jaw that would put many fighters unconscious and pressed forward as if nothing happened. His chin is legendary. The Gorilla, set for this heavyweight confrontation. Our tale of the tape for this heavyweight championship fight. The Gorilla is 4 years his elder. J'ai quand même 33 ans, putain. We'll have a one inch reach advantage. Bruce
J'étais arrivé dans l'UFC quand j'étais jeune, merde. J'ai passé 10 ans à essayer de prendre ce titre. Ah ouais, quand même. Is the moment UFC fans have been waiting for. Live from the sold-out Honda Center of Anaheim, California, it's time! 5 rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the World. Introducing first, the challenger, fighting out of the blue corner. This man is a Greco-Roman wrestler, holding a professional record of 26 wins, 8 losses, standing 6 feet 4 inches tall, weighing in at 265 pounds, fighting out of Paris, France, the professional. Introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 23 wins, 2 losses. Standing 6 feet 6 inches tall, weighing in at 263 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, USA, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Heavyweight Champion of the World, the Gorilla! UFC belt on the line, guys. Protect yourself at all time. Obey my command at all time. If you want to touch love, do it now. Goodbye to your opponent. Les gars, c'est parti pour le match. C'est un peu le match de ma vie là. Championship fight scheduled for 5 5-minute rounds. He scores with that nice combination. He connects on the inside leg kick. Attends, j'ai déjà plus d'énergie quoi. Trying to set up the armbar here. And he escaped the armbar. J'ai oublié qu'il avait de sens. He connects with the head. Sens général de soumission, c'est vrai. Right hand. Moves to half guard. Wow. Back up to the feet. Superman punch. He gets him in the clinch here. Under 3 on the clock, round 1. Double underhooks here. And he takes his back. Oh putain, mais là je suis en train de me faire mais défoncer les gars. He's back up again. Exchanging here, Mike. He blocks the punch. Tries for a low single. The professional with the solid takedown. Joe, it looks to me like he wants to go after the arm triangle. What he needs to do here, he's in half guard. He wants to get the arm triangle. The first thing he's got to do is secure the arm, lock the head in arm position. Then he's got to get out of the half guard. On est champion! On a démonté! Voilà! Par soumission en plus. Yes, on est champion. Bon, il était un peu dur le match au début, certes, mais j'ai battu au premier round. Avec cet étranglement encore, je pense que c'est la marque de fabrique. Hey, il s'est pas évanoui, il a abandonné.
Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 3 minutes, 22 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out and new UFC heavyweight champion of the world, the professional. The professional is the new UFC heavyweight champion. On est champions, les gars. On est champions. On l'a fait. On l'a fait. Putain, je suis déjà dans la zone rouge. Merde. Je me prends trop de coups, les gars. J'arrive dans la zone rouge. Non. C'est ce que ça veut dire dans la zone rouge. Dire vous arrivez bientôt à la fin de votre carrière. Ah, déjà, ouais, 33 ans, si tu m'étonnes. Je deviens vieux à 33 ans. T'es un vieux. Je sais pas ce que je voulais, c'est sur une vidéo de 11 minutes ou pas. Non, c'est pas ça. Non, je veux au moins vous fournir un second match, quoi. Au moins. Congrats, champ. It must feel great to finally have that belt around your waist, huh? Well, don't get too comfy, because now you got a target on your back, and I got guys lined up that want to fight you next. Woo! Congratulations on that submission tonight, man. It's one of the awesome things about fighting for the UFC. You get a nice little extra check, so make sure you spin it right. Don't do anything I wouldn't do, okay? Have a good night. Hey, man, you won! You are the champion of the world. Everything you trained for, everything you wanted, you've done it. You've achieved it. Words cannot express how happy I am for you. Nice job. Now what? Now someone's gonna try and take that belt from you. Stay humble. You got the belt. You've shown you're the best. But now you gotta prove it again and again and again. You know what I say. Right back to work. Hey, kid. Oh, wait. No. It's not kid anymore. It's champion. You are the UFC champion. How's that feel? You've earned it, kid. I've watched you come all the way up through the ranks. You did it great. Stay humble, champ. I'll talk to you soon. Hey man, so I saw that you won the belt. Congratulations. Now listen, don't celebrate too much. Keeping the belt's gonna be a lot harder. Les gars, on est champions. Face au prochain combat, c'est qui? D'accord. Vous pouvez pas choisir plus bas. Velasquez, ok, bah lui aussi va être chaud, hein. Sang de partout, un peu comme moi. Le truc à faire, c'est le démonter. Bah rien, on accepte, hein. C'est bien qu'ils auraient pu nous laisser, genre tu refuses de l'affronter. Attends, ça aurait été trop bien, ça. Non, en fait, non, j'ai pas envie de l'affronter, je refuse. Voilà, ciao. Bon les gars, on va partir tout de suite pour l'entraînement et on se retrouve donc pour la défense de titre. C'est parti les gars pour notre première défense de titre. Face à Velasquez, qui a lui aussi puissance KO, comme un certain adversaire qu'on a eu. Et notre première défense de titre, après avoir remporté notre fameux UFC World Heavyweight. Hey, you got your title defense. Everybody's gunning for you. You gotta bring your A-game. Hey buddy, this is Travis Brown.
heard you're fighting a guy with great KO power. Work your distance, inside, outside, come home with that W. Anderson Silva, George St. Pierre, Jose Aldo. The reason why I respect these guys is because I know what it takes to be a champion and to remain being a champion. Becoming champion is difficult, but staying champion for a long time is much harder. Good kick to the body by George with a good right hand. I would say the best feeling is when Bruce Buffer says, and still. All the hard work put in the gym paid off. Good right hand, a nice left arm. Takedown. Got it. When you go out there and you're the champion, you should kind of put it on the line. Give the fans who paid the money a great, exciting fight. And do that repeatedly against the best guys in the world is just extraordinary. Champion that's dominant and that can finish their opponents and doing it in a fashion where it has the world going crazy, that's a champion. Il n'a pas tort. Être champion, c'est difficile. Mais le conserver, c'est encore plus dur. Ça, c'est vrai. C'est partout pareil. Tout que l'UFC, c'est pas de la simulation, c'est... Le sang, c'est pas du ketchup, c'est du vrai sang. C'est pour ça que j'adore ce sport aussi. J'adore ce sport, mais j'aime pas en pratiquer, en fait. And heavyweight king, Cain Velasquez. Cain Velasquez making his way to the octagon with just one goal in mind, and that is to become the new UFC heavyweight champion. Cain Velasquez can keep a pace that very few heavyweights can match. His cardio is incredible. His work ethic is second to none. And he is a focused, motivated, and driven champion. Cain Velasquez looking for a victory in the octagon tonight. Making his way to the octagon, looking to defend his title for the very first time. This guy has world-class takedown defense. He is incredibly difficult to take down. 12 victoires de suite, les gars, 12. Voilà, quel âge le petit gars là? Ouais, 42 ans, putain, t'es encore là, mec. Allez, on le démonte. Je veux garder mon titre, les gars, je veux le garder. Il attend que je vienne, hein. Allez. C'est déjà fini? C'est déjà fini? La blague. C'est quoi ce type? Boum. Allez. Et bam. Il était déjà fini, quoi. Non, t'es sérieux, là? J'ai mis une droite. Je lui ai mis un Superman Punch et il est déjà tombé KO. C'est quoi cette blague? Bah, je vous le dis, hein, je vous passais plus de temps dans le mode entraînement que dans le match, quoi. And still, the undisputed
Oh les pauvres quoi, ils ont payé pour voir que le tige j'ai démonté en une droite quoi. Oh c'est un peu dégoûtant. Ah mais là franchement c'est le match blague quoi. Velasquez je m'étais dit putain il va être chaud à battre et tout, non. Dans une droite c'est fini. Ah non mais je suis un peu dégoûté quoi. Bon bah je sais bien, je suis toujours UFC Champion of the World. Velasquez j'ai envie de voir combien de temps je l'ai battu franchement. En combien de secondes? Qu'on rigole un coup les gars. En 8 secondes je l'ai battu. Les 5e pour les 8 secondes. Je l'ai mis KO en 8 secondes quoi. Oh non putain, non pas bon. C'est pas bon du tout. On va être champion certes, mais là on arrive malheureusement très très vite à la zone rouge. Ouais, je pense que dans quelques épisodes c'est fini je pense. Notre carrière va bientôt se finir hein, je pense. Malheureusement, je commence à prendre du plaisir sur ce jeu quoi les gars. Puis quand t'as 100 général c'est normal. Oh mais le type il a dit salut moi c'est Velasquez, boum au revoir, KO. Oh là là, laissez un commentaire aussi parce que là en 8 secondes quoi. Ça vous fait pas penser à quelque chose ça 8 secondes les gars? I see you got a little extra bonus check. I remember mine too. Make sure you don't do what I do and blow it all in one spot. Hold on to it. You need it for the rest of your career. Take care. I'll see you later. Hey, this is Travis Brown. You're doing a great job. Your face is everywhere. Magazines, social media, internet, all over the place. Hey, I'll tell you what though. Stay humble, stay focused, and keep working hard. Ah les gars quoi. C'est un commentaire, 8 secondes. Un certain combat qui a été à WrestleMania. Oui, vous vous rappelez. 8 secondes il a duré. WrestleMania 28. Oui. Oui c'est celui-là, oui. Alors on affrontera qui prochainement? Oh Augustus Bartley, comment se retrouve mon pote? Alors t'as réussi à battre tes adversaires et tu veux une nouvelle fois te mesurer au grand spécialiste? Ah non mais c'est bien. C'est bien, je vais affronter l'ancien champion. Celui-là que j'ai piqué son titre. Eh ben ça sera dans le prochain épisode les gars, parce que là, deux combats, je pense que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Comme ça vous laissera sur un bon truc. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour ce KO en 8 secondes. Un petit commentaire, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez.